Bonjour, je voulais vous présenter le recueil de nouvelles. J'ai dû vous croiser dans Paris, pour lequel je suis invitée pour le prix du festival Place aux Nouvelles en septembre. C'est un petit recueil avec des nouvelles de 2,5 pages seulement. J'ai tenu à ce format. C'est une espèce de promenade où on rencontre une vingtaine de personnages qui disent tout ce jeu, et je les ai saisis dans un moment particulier, soit imaginé, soit c'est une scénette que j'ai vue pour de vrai dans la ville. Voilà, je me suis beaucoup amusée à prendre, à capturer les pensées et la parole de tous ces gens, que ce soit une vieille dame, un petit enfant, une jeune femme désespérée. Ce sont que des personnages assez fragiles, parfois un peu cabossés, et c'est le portrait aussi d'une ville de Paris, mais plutôt un Paris populaire. Et comme ça résume bien le recueil, je vais vous lire la quatrième de couverture. Nous sommes les habitants fragiles et tenaces de Paris. Je suis un homme qui boite, un enfant trop sensible, un chat mélomane, une vieille dame qui perd la boule, une jeune femme désespérée, une adolescente en colère, un homme qui rentre chez lui le 13 novembre, une amoureuse au pied de l'Institut du monde arabe, un gardien de musée, une fille en deuil, un réfugié, une écrivaine, toutes et tous à la fois. Je vous ai certainement croisé un jour ou une nuit dans les rues de la ville, au coin d'un parc, sur un quai, au bord d'un pont. À l'instant même ou des mois plus tard, votre image m'a touchée, un regard, une façon de marcher, un geste ténu. Nous sommes, dans cette mosaïque de portraits, des habitants fragiles et tenaces de Paris. Voilà, j'ai hâte de venir parler de ce livre en vrai au festival, et je vous souhaite de bonnes lectures pour tous les livres qui seront présentés. Merci beaucoup.